Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. On est en train de pratiquer juste pour le plaisir. On a fait peut-être 2 minutes d'acro-yoga. Je sais pas si tu sais quoi. Tu peux peut-être expliquer c'est quoi l'acro-yoga, Lily? Avec les compétences qu'on en connaît. C'est du yoga à deux. Puis il y en a un qui est comme, mettons, au sol. Puis l'autre, ben, il s'accote. Sur... En tout cas, c'est comme une affaire de poids, d'équilibre, de poids. Puis là, ben, faut que tu bouges. Puis tu fais des... Tu peux changer de position. Puis en tout cas, on va essayer de vous montrer. Là, mais... Nous, on changera pas de position, mais ben. Le accro vient du fait que tu. Comme. Que t'es accro. Non, que c'est acrobatie, genre. En tout cas. Oh! Tu viens de pas ça, hein? Ça vient pas dans. Non. Ok, tu savais ça. On va juste essayer pour le plaisir, on va regarder ça. Moi, je me rappelle quand j'étais à Los Angeles, il y en avait qui étaient incroyables, ok? À Santa Monica, plus précisément, il y a un petit spot où tu peux faire du yoga, des étirements, genre sur la plage, ils ont mis un carré de gazon. Ok, mais on va essayer, toi, puis après moi. Ok. Ouais, on va switcher. On va expérimenter. On va expérimenter, on va avoir du plaisir, on essaye ça, on va voir de quoi ça a l'air. On va essayer de se prendre pour les gens de Los Angeles. Sans regarder vraiment sur Internet comment faire, okay? Puis après on va faire une deuxième version en regardant sur Internet, puis okay, avec plus bon, expérimenter. Aujourd'hui, c'est vraiment version noob, version on n'a aucune idée de ce qu'on fait, mais on essaye parce qu'on est cool. Je suis en position. Je suis bonne, hein? Ça a l'air de ça, l'acro-yoga. T'as une très belle position. Là, je t'ai fait tourner, check. T'es rendu assis, là, je fais... Puis là, tu t'assois. Nice. Puis là, tu viens en handstand de même. Puis là, tu tombes. Hey! C'est parti! Donc là, il faut penser au centre de gravité, ok? On va y aller comme ça. C'est parti. 3, 2, 1. Non, fais-moi pas rire. Ah! Ton ongle d'orteil! C'est pas le temps d'être drôle là! Je pense qu'on va retrouver des ongles d'orteil dans mon ombris après la vidéo. 3, 2, 1, go! Oh! Ok! Ok, là, théoriquement, il faudrait être capable de lâcher les mains. Est-ce que. Fais juste enlever de la pression un peu. Non, pas de suite, pas de suite, pas de suite. Non, fais! Ça se passe bien. Bon. On refait ça. Hey, c'est smooth là! Ok! Mettre du poids. Faut que j'aille mettre du poids par là-bas. Je pense. Droit, droit, droit. Poussi. Parce que quand je sens qu'on tombe, j'essaie de le pousser comme pour qu'il tombe sur ses pieds et non sur sa face. Ok, je vais aller. Oh! Oh! Hey! C'était bon, on pourrait en mettre quoi? Ça peut aussi être une façon de. De déshabiller là. Ok. Boum! Hey, sérieux, on est rendu fort là? I believe I can fly. I believe I. C'est quoi tes réflexes de te pencher par en avant? Ah, je le sais pas, je le sais pas. Mon nombril, il sort. Mon nombril, il sort. Ok. Mais ça, t'es sorti. Ah. Hey, merci, merci. Ok, on change les rôles. Ok. Ok, mais attends, c'est parce que. Ok, là, on passe. Sur... Là, on passe aux vraies choses. Attention. Allonge les jambes, allonge les jambes, allonge les jambes. Oui, ok, là je l'ai. Non, fait. Non, non! Oh my god, je pensais que tu t'en allais! Je l'ai fait là, là! J'étais c'est pas assez loin! Plus ça que l'autre! Je pense que j'étais pas assez loin! C'est vraiment plus ça que l'autre, go. Parce que d'habitude je tombe par là! Yes! Ça sent bien! C'est bon! Oui, t'as fait de l'avion! Tu comprends, j'étais plus droit! Oh yes! Oh yes! Oh yes! Yes! Hey non, mais il y a eu de quoi là? Là, je chantais que j'étais plus stable. Ok, vite. Yes, ok, donc, c'est beau ça. Ok. Oh oh oh! Oh! Hey, quoi là? De quoi? De quoi? Yes! Yeah. Ok, là, on va leur faire, puis il faut qu'on se mette les deux les mains de main, ok? Oh, j'ai loin, baby. Yes! Ouais. Un mal dans le ventre, hein? Ok, on change de place. On change de place.
Je trouve que c'est plus dur d'être en bas. Ouais, ben oui, en haut, c'est vraiment de l'équilibre. Là, moi, je suis putain capable de me tenir en haut. Aïe, j'ai un dos dans le front! Je vais regarder la reprise. Ok, ton compte rendu, comment t'as trouvé notre essai? C'était très bien. Voici fermé. Ok. Eh hey, non, mais ça s'en vient, là. On l'a! Ça, c'est ta fleur et de rire. J'aimerais ça te filmer dans le sous. Ok. Non, mais t'as des mains. Non. Je sais ce qu'on va faire, attends. Ok, dites dans les commentaires si vous trouvez ça cool qu'on fasse des expériences comme ça ensemble. Hey, mais Lou! Hey, on est hot, là. Merci! Un jour on va l'avoir. On peut-tu faire autre chose? Genre, peux-tu essayer de donner un autre but? Ben là, on va commencer par être capable de le tenir avant de faire des spins. Hey, tu sais quoi? Eux, ils sont capables de se faire tourner. Ouais, je sais. Il y en a qui s'assoient aussi. Comment tu veux que je m'assoie? Je sais pas, ils sont sur place, puis là, la personne s'assoit. Sur place, ok, on essaye. Mets tes pieds. 3, 2, 1, non. Je sais pas trop comment faire ça, cette affaire-là, pour être honnête, là. Je pense qu'il faut pas être un gars. Je pense qu'il faut pas être un gars, dit. Ok. On va essayer. Essaye de faire ça dans les heures. Ok, le prochain but, c'est d'être de même dans les heures. 3, 2, instant! Hey, c'était bon! C'était bon, ça! Yes! Hey! Mange mes pieds! La prochaine étape, ça va être de visualiser le mouvement, ok? Visualiser qu'on l'a pendant 10 secondes. On va recommencer le mouvement en force. Il faut juste qu'on garde l'équilibre. Parce que si on est en équilibre, on n'a pas à forcer. Fait que si on trouve le milieu, ça devrait être full facile. Ok. Hey, qu'est-ce que t'as dit aux gens? Ah, c'est un secret. I believe I can fly. Ok. C'est plus difficile, ok? Ok. Yum! Oh my god! Go! Oh my god! Non, je pense que c'était 8. On va réussir. Let's go! On est rendu fort! Ah, je pense qu'il faut que tu lèves ton chest. Okay. Plus tu lèves, plus on est stable. Okay. Fait que quand t'as peur, tu penses à écarter, ok? Je m'occupe. Comme un écureuil. Ah. Oui, tu vois? C'est le bon de tourner! Je m'en allais faire un twist. Hey, on a commencé à unlock de quoi, là? Ah merde! 6! C'est quoi? Non! On a fait job 9 et demi! Yes! Yeah! Yes! On l'a eu, je pense! Je pense qu'on est à 10! Est-ce qu'on l'a eu, gang? Est-ce qu'on l'a eu? Je pense qu'on a fait 19 secondes!
Fait que pour être certain, il faut qu'on le refasse. 1, 2, 3. Yum! Yum! Et yum! 3, go! Ok. Hey, je pense que c'était bon aussi! Je pense que ça fait deux fois qu'on l'a! Hey, regardez voir la qualité! Je pense qu'on l'a eu quand le soleil était à son plus beau en ce moment. Ok, regarde! Ok, Lily, dernière tentative, on a fait 9 et 3 quarts à chaque fois. On l'a, maintenant on est rendu fort. Hey, je pense que c'était bon celle-là! Ah! 3, 2, 1. C'est ça, là. Ça se passe. Je vais revenir. Non, j'allais revenir. Ah ouais, on change de position. Ça marche pas. 1, 2. Reviens vers les lacs. Yes! Yes! Ok, on continue. Ok, reviens vers les lacs. Je me mets droit. 3, 2, 1. Je me mets droit. Yes! On a réussi, en tout cas, vraiment longtemps! Mais c'était pas droit, mais c'était long. C'était juste 10 secondes. Hey, bravo! Il n'y avait rien d'autre. Je pense qu'on a fait 12. Je pense qu'on a fait 15. Wow! On change de place. On y va all-in pour la dernière 3 minutes qui nous reste avec le soleil sur parti. Ah. Ok, c'est facile. Sans les mains. Let's go. Hey, c'est bon! Tu comprends pourquoi tu penses? C'est dur, hein? Il faut que tu forces du dos. Faut être à vous. Ça penche-tu, mais il faut que tu reviennes de même. Yes. Ah! Non, c'est bien. Ah! C'est en train de... C'est correct? J'étais en train de te casser le doigt. Le quoi? Le doigt? Tu comprends pourquoi on force des mains maintenant? Tu comprends l'autre bord, hein? Tu t'ajustes avec les mains de même? Non, mais je voyais que j'étais en train de te plier le doigt. Ben, c'est ça. Et comme ça va, non? Ben oui, ça va. Hey, c'était bon, t'es en haut. Oh my god, mon dos! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, quand tu fais un gros workout, puis là, tu lâches, t'es comme... OK, là, on le refait une autre fois. Ça fait ça. Mais pense à mettre tes mains pendant... Tu sais, comme tu me disais tantôt, l'écureuil. Oh my God, je vais être raqué du dos, toi aussi, j'imagine. Déjà? Yes! Oh wow, let's go! C'est bon! Yes! OK. Yeah! Alors, objectif accompli. Est-ce qu'on dit objectif accompli? Mais on n'a oui, pas fait 10 secondes les deux. Fait... On va attendre que la... C'était le fun! Hey, c'était vraiment cool, j'ai vraiment trouvé ça vraiment nice. C'est une belle expérience. C'est un défi qu'on s'est donné. Puis on a passé quand même beaucoup de temps à le réaliser, mais c'était le fun parce que t'as pas le choix de rester dans le moment présent. Fallait qu'on reste là puis qu'on se dise, ouais. OK, on continue. Puis des fois, ça nous tente d'arrêter, mais on se disait non, on continue. C'est juste une question de pratique puis de temps. Mais c'est comme n'importe quoi. Donc voilà, ça c'est notre conclusion. J'espère que t'as aimé ça. Dis-nous dans les commentaires comment t'as trouvé ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Peut-être qu'on pourrait faire d'autres défis, d'autres challenges, d'autres jeux, d'autres trucs que t'aimerais qu'on expérimente. Ben merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que t'as aimé ça. Tu peux laisser des commentaires, comme je t'ai dit. Sinon, on se retrouve pour d'autres vidéos. À bientôt tout le monde. Tu peux nous suivre partout sur Instagram, Élie Fourchette, Lou Leclerc. Mais sinon, vous nous connaissez déjà. On se revoit bientôt. À la prochaine. À la revoyure. Voilà. Laissez un petit pouce bleu, puis abonnez-vous, puis merci pour tout, on vous aime fort. Soyez heureux, c'est ça l'important de la vie, dépasse tes limites, vis ta vie à fond, puis vis ta vie de tes rêves, parce que c'est yes. La tienne, ok? C'est la tienne, puis t'en as juste une dans ton corps, fait que c'est ça qu'il faut comprendre. À bientôt tout le monde, merci d'être là, peace! Je me souviens même au début, j'ai dit, je vais retrouver des ongles d'orteil dans mon ombre. I don't know who you are, I don't know what you've been through, why you got scars. Since you walked through the door, I've been trying to reach you, 'cause I feel you.